Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue mes chers amis pour le tirage de la fin d'année 2021. Ce tirage sera pour le signe des lions. Alors, on part en fait du fin du zodiaque pour le début. On va commencer. Donc, j'ai commencé par les capricornes. Là, on arrive au signe des lions. J'ai fait les vierges tout à l'heure. Ce sera un tirage spécial, bonus supplémentaire pour le mois de décembre du 15 au 31 décembre 2021. Qu'est-ce qui va se passer pour les fêtes de fin d'année ou en général ou en cette période pour les lions, les ascendants lions et lune en lion? J'espère que vous allez tous bien. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter ce tirage, savoir ce qui va se passer. Et puis pour recevoir les notifications, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Guidances de Shiva, de cliquer la cloche en haut pour recevoir les notifications, comme beaucoup les cherchent. Et si vous voulez une guidance pour vous, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo, ou vous pouvez aussi mentionner le message cadeau à offrir, et je vous enverrai un mail avec le cadeau à offrir, avec le nom de la personne que vous payez, mais que vous lui enverrez. D'accord, n'hésitez pas, moi je trouve une bonne idée de cadeau pour des fêtes, offrir un tirage. Alors, n'hésitez pas, les lions, on va commencer par plusieurs énergies. La première, ce sera avec une carte du petit oracle de la création. On aura ensuite un petit peu voilà, des énergies comme toujours. Le tarot qui va nous donner des informations, c'est très complet, trois oracles. Du sentimental, et restez jusqu'à la fin pour avoir vos messages angéliques pour cette dernière partie de l'année. Et on va tout de suite commencer pour les lions, un message pour la période du 15 au 31 décembre 2021 pour les lions. 15 au 31 décembre 2021. 15 au 31 décembre 2021. Hop là, elle m'a sauté contre. Au cœur de l'invisible. Ouh. Elle m'a sauté contre, elle m'a attaqué. Carrément. Qu'est-ce que veut le lion? Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le message pour vous, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare dans l'invisible. Clairement, je crois qu'on avait vu dans les tirages de décembre, vous pouvez aller voir votre tirage de décembre 2021, mais je suis aussi en train de faire les tirages 2022, qu'il y a effectivement une nouvelle voie qui se profile pour vous, où vous n'avez peut-être pas fait ou mis en place totalement cette nouvelle direction, mais ça se prépare, comme je dis, dans l'invisible, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. D'accord, ça se dessine, il y a une vie qui s'éveille. Ça pourrait aussi parler de grossesse pour certains. Mais là, on nous dit aussi, laisse-lui le temps de se préparer, de progresser jusqu'à toi. On va voir ça tout de suite. Donc, il y aurait quelque chose de nouveau qui arrive vers vous déjà fin décembre. On va avoir alors, deux messages ici. Donc, les lions du 15 au 31 décembre. Lions 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ces fêtes de fin d'année? Les lions, 15 au 31 décembre. Bon, regardez bien le tirage parce que tout se suit, hein, tous les messages se suivent. C'est vraiment une ligne, un fil qui se suit dans les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La communauté. Donc, vous allez être entouré, avoir pas mal de festivités, pas mal de monde. Il y a de l'entourage autour de vous, des amis, de la famille. Oui, ça ressort beaucoup. Et une belle connexion spirituelle aussi. Je crois que je l'ai même vu pour le 2022. Une grande connexion, une ouverture avec le chakra couronne. Vous avez l'archange Ouriel qui est magnifique. C'est une belle couleur violette sur cet ange. Superbe. Et qui est connecté donc avec le chakra, septième chakra de la couronne. Vous allez être bien connecté à l'univers, au message, plus spirituel, plus compréhensif. En tout cas, c'est très bien là. Il y a quelque chose peut-être qui se prépare aussi au niveau connaissance spirituelle pour vous, de nouveau. Alors, on va voir avec l'autre oracle. Des fois, il parle
il résonne vraiment avec l'autre. Des deux côtés, c'est un peu pareil. Alors, on va voir. Lion du 15 au 31 décembre. Lion du 15 au 31 décembre 2021. Oui, c'est le dernier chakra. Donc, il y a une ouverture. Quand il est ouvert, on reçoit des messages. On a des compréhensions. On comprend les choses de cause à effet. On est plus dans l'amour, dans le don, dans ses valeurs. Vous voyez? Bon, alors, ok. Là, on a autre chose. Mais c'est pas négatif. Comme c'est sorti, alors, il y a une part de paradoxe. Peut-être, on a envie d'évoluer, on a envie d'aller vers ce côté spirituel. Il y a une bénédiction sur vous quand même, hein. Il y a une bénédiction, vous êtes protégé, vous êtes connecté ici au spirituel très fortement. Là, on nous dit, il y aura de la fête, il y aura des amis qui vont vous entourer. Mm-hmm. Vous êtes peut-être encore un petit peu dans le flou, cette fin décembre, de pas trop justement savoir qu'est-ce qui se prépare, où est-ce que je dois aller. J'ai comme une envie d'autre chose, mais je ne sais pas encore très bien quoi ou comment. Vous le sentez, hein, vous pensez comme ça, le lendemain comme ça. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je lâche ça, vous voyez? Mais on rétablit une base, une bénédiction ici pour vous, les lions. Je vais voir ce que dit la triade parce que j'utilise une carte pour les énergies. Les lions. Alors, un message pour les lions du 15 au 31 décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, 15 au 31 décembre 2021. Un message pour les lions du 15 au 31 décembre 2021. Je prends juste une carte. Illusion. Vous êtes fait des illusions. Vous avez peut-être cru certaines choses, vu certaines choses, vécu certaines choses d'un certain point de vue qui n'est pas totalement, on va dire, juste actuellement. Faut que je prenne mon verre d'eau. Où est-il? Je ne sais pas, je l'ai mis. Vous avez vu peut-être aussi, certainement, ou penser à des choses qui n'étaient pas totalement la réalité. Vous imaginiez qu'on vous faisait du mal alors que ce n'était pas la réalité. Vous voyez les choses déformées. Il y a plusieurs messages ici. Hein. Il y a pas mal de choses. L'illusion, oui, cette carte importante au niveau de la triade. Vous voyez les choses pas comme elles sont dans la réalité. D'accord? Moi, je pense qu'il y aura une évolution. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible. Il ne faut pas l'oublier. C'est toujours la carte la plus importante du jeu. Et je l'aime beaucoup pour ça. Vous allez comprendre avec le chakra couronne. Il y a une bénédiction qui est sur vous, sur votre maison. On ne vous lâche pas. Vous avez peut-être été justement perturbé dans le doute. C'est un petit peu le côté schizophrène. C'est, je pense ça, mais la réalité, elle est autre. Hein. C'est ça. Je pense certaines choses avec l'illusion. Je vois, par exemple, cette coque. Je vois que c'est un bateau. Je pense que c'est un bateau alors que c'est un chapeau. Il y a des choses que vous avez pensées ou vues, parce qu'on me dit là, qui ne sont pas totalement justes. Il y a une espèce de retour à la réalité qui sera important. À la vérité. Pour moi, c'est avec le chakra couronne. Et il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Ouais. Pour les lions. Qu'est-ce que va nous dire le tarot? Alors, les lions pour la semaine, la fin d'année. Du 15 au 31 décembre 2021. Qu'est-ce qui se passe pour les lions? Du 15 au 31 décembre 2021. 15 au 31 décembre.
que va nous dire ici le tarot? Alors, vous avez l'énergie de l'empereur. On vous conseille de prendre les choses en main, de régler certaines choses si c'est nécessaire. Et comme il y a des énergies avec ce tarot qui vous retiennent, hein, où il y a quelque chose qui vous empêche un peu d'avancer, peut-être. Mais on nous conseille d'agir, de prendre les choses en main, de décider. De décider peut-être de changer. On va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez senti une solitude. Ça, je l'ai vu aussi. Une certaine solitude. L'ermite. Ouais. Peut-être certains amis se sont détournés de vous, vous ont pas compris. La solitude, on a envie d'autre chose aussi. On a envie d'autre chose, les lions. On voit, je regarde par la fenêtre, j'ai envie d'autre chose. Il y a une notion de changement, une notion de solitude, une notion de réfléchir, d'être un peu perdu. Il y a vraiment cette notion d'être un petit peu perdu, de ne pas trop comprendre les choses pour certains. C'est comme si vraiment vous avez cru à certaines choses et qui n'étaient pas du tout ce qu'elles sont dans la réalité. Ce qui va dominer, c'est une certaine lenteur. La patience, la tempérance, ici avec ce tarot, c'est une certaine lenteur. On nous dit de patienter. Ouais. On nous dit de patienter, c'est un peu comme ici. Là, quelque chose qui est dans l'invisible, donc c'est pas du tout dans la matière pour le moment. Il vous faut attendre. Une nouvelle expérience se prépare pour vous. Une nouvelle expérience. Une nouvelle manière de vivre. Peut-être suite à une décision de justice. Il y aura peut-être quelque chose qu'il vous faudra faire. Même certainement, là on dit, il faut que tu prennes les choses en main. Tu t'es senti seul, pas compris, hein, dans un passé proche. Il y a une certaine solitude dans cette fin d'année. On nous dit que tu dois patienter, c'est ce qui domine, ce sera assez lent. Il y a une certaine attente, une patience, tempérée, les choses sont lentes. Il y a une réponse de justice qui pourrait arriver hein, ici, pour vous. En fin d'année, vraiment, il y a la justice qui est là, c'est la réponse. Ou bien, il va falloir effectivement couper, je dirais, avec cette illusion qui ne vous sied plus. Le fait d'être comme ça, pour les lions, c'est d'être un petit peu perdu. Hein. On ne sait plus trop qui on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, retrouver un équilibre. Couper avec une manière d'être. Retrouver une stabilité. On va voir avec le concret dans les oracles. Bon. Vous verrez bien si certains ont des affaires en justice, comment ça va se faire. Mais il y a la solitude, il y a une certaine... vous ne comprenez pas tout, vous cherchez. Alors, les lions en décembre, du 15 au 31 décembre. Alors, précisément, on va demander ce qui va se passer pour les lions, pour cette fin d'année. Du 15 au 31 décembre, qu'est-ce qui se passe pour les lions du 15 au 31 décembre? 15 au 31 décembre, il y a une manière de faire et d'être qui n'est plus possible. Vous devez changer. C'est fini, c'est mort pratiquement. Il y a une attitude qui doit absolument être changée. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Je vous ai dit, ça peut être une grossesse ou une manière de faire ou d'être. Parce que là, la vieillesse, il y a quelque chose qui est en train de mourir. Et ça peut être effectivement que vous vivez dans l'illusion, que vous vivez, je ne vais pas dire dans la parano, mais il y a une sorte de situation comme ça. Essayez de réfléchir. Est-ce que je vois vraiment les choses telles qu'elles sont? Est-ce que je m'imagine certaines choses? C'est ça que je veux dire. Lion du 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Donc, tous ces tirages sont vraiment pour votre évolution. Hein. Il n'y a vraiment rien de négatif. On voit qu'effectivement, il y a un changement. On passe de quelque chose d'assez compliqué. Il y a quand même la lumière. Ça s'éclaircit. Lion. Oh, celle-ci, elle a sauté. Ouais, quelque chose qui ne marche plus.
Il y a une manière de faire qui ne marche plus, un travail qui ne marche plus, une activité indépendante qui ne va plus, vous allez à l'échec. Hein, parce que vous avez vu les choses telles qu'elles ne le sont pas. Pour moi, c'est totalement ça. Et je pense qu'il y aura une prise de conscience par la connexion spirituelle en vous disant, mais je dois être... Il faut que je me base sur le spirituel, sur les réalités spirituelles, sur les causes à effet. Ça, je me suis complètement trompée. Hein. Vous allez à l'échec. Hein. Pas facile cette fin d'année pour beaucoup de signes, mais c'est une nécessité pour avancer. Il y a autre chose qui se prépare, mais il vous faut prendre conscience. Lion, 15 au 31 décembre. On voit la coupe. Alors, on nous dit que par rapport à un lien, on pourrait retrouver la paix. Ça, c'est bien. Par rapport à un lien, peut-être où il y a eu des conflits. Par rapport à une union, c'était compliqué. Une union, ça peut être avec un ami, avec un amoureux, avec un partenaire. Là, on dit l'amitié. On dit qu'on retrouve une certaine paix où vous allez partir en vacances avec des amis de manière très concrète. Donc, les lions du 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ça traîne. Il y a de nouveau cette notion de retard. Vous devez passer à autre chose. Parce que là, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare de nouveau. Ce que tu fais n'est plus possible. Va vers une passion. Il faut que tu aies dans cette direction-là. Ça a du retard. Hein. Vous avez la force sur les difficultés pour la paix. Bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est normal. Mais là, il y a quelque chose, en fin d'année, il vous faut... on ne peut pas le reprendre l'année prochaine pour moi. Non. Lion, 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qui se passe pour la fin d'année pour les lions, 15 au 31 décembre, pour les lions, 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qui se passe pour les lions, 15 au 31 décembre. 15 au 31 décembre. Vous pensez beaucoup. Ouais. Pensez beaucoup. Vous me direz en commentaire si vous êtes justement dans cet état de fait, de ne pas trop savoir où vous voulez aller, mais vous voulez aller vers autre chose. Vous sentez que c'est c'est vraiment là, pour moi, c'est terminé. C'est plus viable. Vous avez autre chose à faire. Lion du 15 au 31 décembre, qu'est-ce qu'il y a comme énergie? Prendre le large, partir ailleurs, ça je l'ai aussi vu plusieurs fois chez les lions. Partir ailleurs, hein. Il y a le lion là. Je vous laisse interpréter comment ça, comment ça résonne. Parce que là on me dit qu'il y a des difficultés, hein. C'est pas facile. Il y aura ou il y a des difficultés. Ouais. Il faudra changer quelque chose. Ah, il y a un accord qui sera trouvé. D'accord. 15 au 31 décembre. 15 au 31 décembre, je vais voir la coupe. Alors, il y aura des bonnes nouvelles par rapport à une situation où il y a eu de la fausseté. On mettra peut-être en lumière certaines choses qui ont été cachées. Quelqu'un était faux, vous ou une autre personne. On a la paix sur une relation d'un lien. On va prendre des cartes. Les lions du 15 au 31 décembre. Il y a des papiers qui vont vous arriver avec une notion un peu floue. On peut dire que vous allez trouver des arrangements par rapport à des papiers qui peuvent justement être administratifs ou de justice qui ont été pas clairs avec la lune, où il vous faut écouter votre intuition, où ça va amener beaucoup d'émotions. Il y a quand même par rapport à tout ça, ça peut être des papiers, je vous ai dit, soit de justice parce qu'on l'a eu dans le tarot,
soit par rapport à une activité qu'on termine, soit parce qu'on doit partir en voyage, on va trouver un arrangement. Essayez de voir comment ça résonne en vous. Et mettez-moi en commentaire de quel domaine ça parle. La lune, oui, il y a des choses qui sont à éclaircir, clairement. Pour moi, il n'y a pas le soleil, ça ne rayonne pas là. Il y a des choses cachées. Alors, je couvre avec la triade. Les lions du 15 au 31 décembre. Lions du 15 au 31 décembre. Du 15 au 31 décembre. Vous aurez dû faire des changements plus tôt. Vous avez laissé traîner parce qu'il y avait de l'illusion. Vous croyez à quelque chose qui n'est pas réel. Lion, du 15 au 31 décembre, qu'est-ce qu'on a comme message? Eh, la lumière revient. C'est ce que je disais, sur des mensonges. Il y aura sur quelque chose de caché, de faux, dans votre vie, que vous avez fait ou que vous avez pensé, que vous étiez dans le juste alors que vous étiez dans le mensonge, il y a une lumière qui se fait, il y a vraiment un éclairage sur des mensonges. Il y a un éclairage sur des mensonges pour les lions. Les lions, 15 au 31 décembre. Il faut finir cette année avec une nouvelle vision. Mettre de l'eau dans son vin. Il y a un jugement qui va s'opérer sur vous. Jugement, justice. Vous allez sortir enfin de ce cercle vicieux dans lequel vous étiez. Effectivement, la tentation, les choses malsaines. Il vous faut, alors, on peut dire ici que la traite, que ce sera très émotif, où il vous faudra mettre de l'eau dans votre vin, où il vous faudra effectivement être dans la, j'allais dire dans la compassion, mais dans l'arrangement. Il y a un jugement, on remet l'ordre dans quelque chose qui n'allait pas, où ce n'est pas clair du tout. Avec la mutation, vous avez un grand changement qui s'opère et vous sortez. Vraiment parce que c'est mort cette situation. On me dit que ça vous a appris énormément de choses sur une notion où vous avez été tenté, la tentation, le mensonge, la tromperie, le serpent, etc. Quelque chose de pas bon pour moi. Hein. Donc là, on s'en sort. Je vais voir pour le sentimental ce que ça me dit. Les lions du 15 au 31 décembre. Donc vous voyez, la triade, elle est très claire. On doit remettre de l'ordre dans quelque chose qui n'était pas juste. Il y a eu le mensonge, il y a eu du mensonge. On va mettre en lumière les mensonges, les faussetés autour de vous. Là, on nous dit, au niveau de l'amour, ce n'est pas pour toi. Ça peut être aussi au niveau professionnel, général. Il y a quelque chose qui n'est plus pour toi. Tu fais faux chemin, tu crois à des fausses choses. Lion du 15 au 31 décembre pour l'amour. On a dit d'être observateur au niveau sentimental. Hein, là. Du 15 au 31 décembre. Milka Nroni, elle sort comme avant. On retrouve une certaine joie en amour. On se sent plus léger. Parce que là, avec « It's not for you », ça me dit que vous quittez quelqu'un. Ou la personne avec qui vous êtes n'est pas bonne. Il y a une leçon vraiment malsaine, là. Il y a un côté malsain, absolument horrible, de cette carte, qu'il vous faut supprimer. Et puis là, on a à nouveau la lune. C'est l'écoute de son intuition. Il y a une belle amélioration au niveau sentimental. Mais vous devez dire non à quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Au niveau général, je vous ai dit, j'ai beaucoup dû expliquer parce que c'est pas évident à comprendre. Mais j'ai essayé de faire le plus vite. Bon, 24, ça va. Il y aura un accord qui sera fait quand même. Par rapport à une situation qui vous prend la tête. Que vous allez quitter. Mais il y a des choses qui sont cachées.
On a vu le mensonge, mise en lumière de mensonge. Bon, je vais demander un conseil pour les lions du 15 au 31 décembre. Mais c'est bien, moi je trouve très très bien parce que ça nous permet de passer à une nouvelle étape qui arrive pour vous. On règle ça, on prend conscience, on ouvre les yeux, on a le soleil qui éclaire tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce que j'ai fait réellement? Et je vais commencer quelque chose de nouveau pour l'année 2022. Voilà. Un message pour les lions du 15 au 31 décembre 2021. On va regarder un conseil pour vous. Bon. Mettez en commentaire comment ça résonne. N'ayez pas peur d'être jugé. Oui, ça va se résoudre de manière pacifique. S'il y a eu des problèmes, si vous avez des conflits, si vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, il y a cet accord qui se fera, mais de manière pacifique. Donc, il vous faudra mettre du vôtre. Voilà. Voilà, mes chers amis. Lion, merci pour vos retours. Je me réjouis de vous lire parce que c'est important ici. Tirage très fort pour ces fins d'année. On règle quelque chose parce qu'on doit repartir sur du nouveau. Et j'espère que ça vous a parlé. Merci pour vos petits mots et bonne fête de fin d'année. À bientôt. Au revoir.